Ce soir, et un grand merci à Caroline Veil de m'avoir dépannée hier soir alors que j'étais moi-même dans l'attente d'une dépanneuse. Un grand merci aussi à tous les amis de la Libre Antenne du week-end qui sur Facebook m'ont réchauffé le cœur avec leurs messages dans une nuit noire et glaciale. Parfois, il arrive des événements imprévus qui nous mettent dans l'embarras et nous contrarient fortement. Quel choix avons-nous alors ? Nous lamenter, ce qui ne ferait qu'ajouter du malheur au malheur, ou comme dit le proverbe, faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est-à-dire s'en remettre à notre courage, autrement dit notre cœur, car les deux mots ont la même racine, et garder notre énergie pour gérer l'événement comme il se doit. Réaliser aussi que cela aurait pu être pire, aucun blessé, juste de la mécanique, bref, un mauvais coup du sort. Car c'est le lot de l'imprévisible qui nous met à l'épreuve et nous amène à prendre les choses comme elles viennent, avec une attitude juste, à être souple devant la contrainte pour la rendre moins forte, à lâcher prise, c'est-à-dire à accepter que le cours des événements ne nous appartient jamais entièrement, et à s'occuper des choses qui demandent à ce que l'on soit dans l'instant, aurait dit le philosophe Épictète dans sa très grande sagesse. Alors justement, occupons-nous des choses qui demandent à ce que l'on soit dans l'instant. Samedi soir, dans les Libres Antennes, l'heure à laquelle nous parlons d'amour, de vos amours, de vos instants d'amour, de vos instants d'intimité, Quentin et Corentin, fidèles au poste, reçoivent vos appels au 39-21 et c'est Andreas Papazian qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7-39-21 en commençant votre texto par le mot nuit. J'attends vos appels sur le 39-21. Bonsoir Marie. Bonsoir Sophie. Merci de me recevoir. Bienvenue. J'ai appelé parce que je suis à bout là. Oui. J'ai mon voisin du dessus qui fait du bruit la nuit, qui fait du bruit aussi le jour. C'est un peu moins embêtant le jour, mais bon, la nuit, c'est un peu... C'est déprimant, quoi. Oui, oui. Ça vous tape sur les nerfs, comme on dit. Ouais. Ça me tape sur les nerfs, oui. Donc, j'ai déjà fait des courriers. Hein. Je lui ai envoyé un courrier pour lui dire qu'il cesse en recommandé avec accusé de réception. J'ai averti le bailleur. Il y a le médiateur qui est venu. J'ai consulté aussi le conciliateur de justice. Et malgré tous mes efforts, la nuit à 3h30, je ne sais pas, il doit prendre une chaise et puis taper avec sa chaise sur le carreau. Et puis ça fait quand même du bruit, malgré mes boules caisses. Ah oui, malgré vos boules pièces, vous l'entendez, oui. Ah oui, oui. Vous lui avez parlé à votre voisin aussi, oui. Vous l'avez rencontré, oui. Oui, oui, oui. Quelle est sa personnalité, de quoi il a l'air, qu'est-ce qui justifie ce bruit? Vulgaire. J'ai pas pu avoir de conversation. Mais il comprend que il fait du bruit la nuit ou il est pas d'accord avec ça? Qu'est-ce qu'il vous dit? Si. À moi, il me l'a pas dit, mais. À l'agent de proximité, il lui dit oui, je fais du bruit. Ah, oui, je fais du bruit. Et je peux pas m'empêcher de faire du bruit? Ah ben, je sais pas, il m'en a pas dit plus. L'agent, il est conscient qu'il fait du bruit. Mais il paraît aussi qu'il est sous curatelle, alors... Je sais pas quels sont mes droits, je sais pas. Oui, mais en tout cas, ça veut dire qu'il a effectivement une pathologie fake. Que très certainement, il a un comportement, en tout cas particulier. Mais là, vous dites que le médiateur, enfin plusieurs personnes, la justice est intervenue, le bailleur également. Qu'est-ce qui est susceptible? Parce que s'il est sous curatelle, qui s'occupe de ses droits? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez contacter sa curatelle? Je ne sais pas si j'ai le droit de le faire.
Ah, il faudrait demander. Vous pouvez en tout cas à partir du moment où il est sous curatelle, comme ses droits sont gérés, si vous voulez, par quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre a accès à lui. Donc, ce serait bien que vous rentriez en contact. Oui, par le biais de l'UDAF, alors peut-être, non? Oui, alors là, après, les arcanes administratives, mais en tout cas, demandez, puisque vous me dites que vous avez eu un contact avec le médiateur et le bailleur. Vous l'avez appris comment qu'il est sous curatelle? C'est l'agent de proximité qui me l'a dit. Parce que je m'en suis doutée. Il avait déjà, au début, un comportement assez spécial. Il arrosait ses fleurs sur son balcon. Il arrosait tellement que ça tombait sur ma fenêtre. Moi, je lui ai dit gentiment qu'il fallait qu'il arrête. Et puis après, je lui ai dit un peu moins gentiment, elle était se plaindre à l'agent. L'agent lui a dit, bon, ben, attendez, vous seriez content si l'eau tombait sur votre fenêtre. Et puis, un autre moment aussi, il y a eu du bruit dans la chambre un matin, de bonne heure, parce que mes volets étaient cassés. Donc, le monsieur de la maintenance est venu, on a fait beaucoup de bruit. À 8h le matin, à 14h, j'avais de la peinture qui tombait sur ma fenêtre de cuisine. Donc, vous voyez, là, j'ai commencé à me dire il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Oui. C'est vrai que j'aimerais bien avoir des témoignages de personnes qui ont vécu la même chose. Vous voulez dire que vous avez eu de la peinture suite au bruit? Vous pensez que c'était envers vous, ce qui s'est passé? Oui, tout à fait. Oui. Parce que là, il y a aussi à un moment donné sur le bruit, c'est la police aussi qui intervient, les gendarmes ou la police. Oui, mais si je fais intervenir la police, moi, il fait du bruit à un certain moment, ça dure quelques minutes. Voilà. Oui, je comprends. C'est pas du tapage nocturne comme on dit. Oui, bien sûr, c'est pas une soirée qu'il faut arrêter ou sont pas. J'ai connu ça avant, en 2011. Ah bon, décidément, ma pauvre Marie, c'est pas de chance. Et moi, je pense que le fait de, il faudrait contacter en fait la personne, qui s'occupe de sa curatelle. Oui. Mais vous pensez que je peux le faire, ça? Ah oui, bien sûr. Ne serait-ce que pour avoir un avis en disant, écoutez, je suis intervenue à plusieurs niveaux, j'ai pas réussi à lui faire entendre raison. Vous qui vous occupez de ses droits et de lui, qu'est-ce que vous me proposez? Écoutez, je vais le faire. Oui, ce serait. Je savais pas si j'avais le droit, si je pouvais. En tout cas, vous pouvez essayer. Voyez, il y a rien qui vous interdit d'essayer de prendre contact. C'est pas vous qui avez prise sur, mais vous en référez à quelqu'un qui a le droit sur lui. Oui, bien sûr. Oui. Et qui sera peut-être d'ailleurs le seul habilité à lui faire entendre raison, ou en tout cas à en parler à la personne qu'il suit, à revoir son traitement. On n'a pas tous les éléments du dossier, mais. Au moins que vous puissiez être entendu. Parce que là, votre problème, c'est que vous n'êtes pas entendu. Non, pas du tout, non. Malgré tous vos courriers. Et même l'agent me disait que ces médicaments, il refusait de les prendre. Donc, difficile aussi après. Là, il y a Yvan qui dit, vous avez le droit d'avertir l'association de tutelle par lettre officielle. Peut-être que c'est à eux qu'il faut faire un recommandé. L'association de tutelle par lettre officielle. Oui, par lettre. Mmh. D'accord. Je pense qu'il faut faire les deux. Oui. Vous voyez? Est-ce que vous pourriez lui parler? Parce que c'est vrai J'ai essayé une fois, ça a été vous m'emmerdez. Je ne vais pas recommencer. Il a quoi? Il a été insultant, agressif, en colère? Et quand vous lui avez parlé, parce que c'est effectivement ce que suggère René en disant de lui parler très calmement et de lui expliquer que vous avez du mal avec ce bruit sans le blâmer en fait. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Je l'ai même enregistré et on m'a dit que c'était pas valable les enregistrements. Donc moi j'ai été calme, je lui ai demandé gentiment et poliment. Et c'est là qu'il m'a répondu, de toute façon, vous emmerdez tout le monde, je fais du bruit, je travaille, je vais vous envoyer au prud'homme, je ne vous prends pas le rapport. Ah oui, non, ça n'a pas de rapport. Non, mais ça explique, ça explique qu'il soit dérangé, ce monsieur. Oui. Ce qu'il y a, c'est que vous pensez aussi qu'il y a quelque chose entre vous qui aussi le rend...
Enfin, oui. Comme s'il y avait une volonté aussi où ça l'occupe, je sais pas, voilà, de vous embêter en faisant du bruit. Vous pensez que ça, il en fait plus depuis que vous avez fait vos démarches? Ça a augmenté? Disons que il en fait peut-être un peu plus, oui, mais il y a surtout le voisin qui est au-dessus, parce qu'on est un immeuble de 3 locataires. Moi, je suis au rez-de-chaussée. Mmh. Il est au premier, il y a un deuxième. Et le monsieur du deuxième, il fait rien pour arranger les choses. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire, quand il vous dit qu'il fait rien, il fait quoi? Oh, bah, je l'ai entendu bien des fois dans le couloir parler, en lui disant, il faut faire du bruit, il faut faire du bruit, de toute façon. Donc, c'est pas pour le calmer. Hein. Parce que vous entendez pas très bien non plus avec le locataire du deuxième? Non, il me parle pas. Je sais pas pourquoi, il me parle pas, lui. Mais depuis toujours ou... Ah oui, depuis tout le temps. Depuis que je suis arrivée. Et vous avez essayé, quand vous êtes arrivée, de lui parler? Oui. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il veut pas me parler. Mais bon, il fait ça à peu près à tout le monde dans le quartier. Donc, on ne voit jamais personne venir chez lui. On ne voit jamais personne leur parler. Ces gens-là, ils sont un peu spéciaux. Enfin, je sais pas. Ah, vous pensez que également le locataire du deuxième n'est pas non plus... Non, il n'est pas très, très cool. Oui, ouais, en tout cas, il n'est pas compréhensif par rapport à ce que vous vivez. Non. Il y a un concierge dans votre immeuble? Il y a un gardien? Il y a un gardien. Oui. Donc, mais le gardien, il n'est pas là tout le temps. Oui. Et pourtant, bon, le bailleur a fait une lettre en ma faveur en disant que je pouvais aller voir le gardien quand je voulais, pour ma tranquillité. Bon, ils sont bien au courant. Hein. J'ai un ami qui les connaît très bien. Son père était comme ça, son frère était comme ça. Et il a voulu venir avec moi à voir le bailleur, et on lui a dit que il n'avait rien à faire, quoi, que c'était pas lui qui habitait l'immeuble. Parce que lui, il les connaît très bien, ces gens-là, et partout où ils passent, les gens sont bien contents quand ils sont vus. Bon, son frère est décédé, puis son père aussi. Mmh. Mais bon, voilà. Vous êtes effectivement dans une situation délicate, parce que vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre, si ce n'est, comme dit Yvan, le juge des tutelles, hein, peut aussi intervenir s'il y a des problèmes. Oui, je vais le marquer. À moins que vous, voilà, si vous avez des amis et que ou de la famille, vous puissiez partir quelque temps pour calmer les choses. Peut-être ça pourrait aussi mettre un peu de distance. Dans quelle mesure vous pouvez quitter votre logement quelque temps, le temps que tout ça s'apaise, et est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que ça pourrait être une solution? Non. Non, parce que moi, je fais beaucoup de choses dans ma ville. Hein. Oui, vous êtes très active. Oui, je suis active, donc je ne peux pas partir comme ça. Et déménager, Marie? Vous y avez pensé? Oui, on l'a dit déjà. Non, mais ça, quelquefois, quelquefois, au grand mot, les grands remèdes, hein, comme on dit. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai une petite retraite, donc je ne peux pas me payer le luxe d'avoir un loyer très cher. Oui. Là où je suis, je paye vraiment pas cher, mais bon, c'est vrai que c'est un appartement, s'il y a des logements qui datent des années 50, hein, avec aucune isolation. Donc, vous pensez bien que la moindre chose qui bouge... Oui, donc vous dites que vous n'avez pas les moyens de vous pouvoir imaginer de déménager là pour l'instant. Financièrement, quand je vois les loyers, non. Oui, en cherchant, en continuant à chercher. Comme dit René, c'est un drôle d'immeuble. Pas de fête de voisins, donc. Oh non, surtout pas. Et j'ai une autre suggestion, éventuelle, Marie, mais qui peut vous paraître absurde, qui est de les inviter tous les deux à prendre un café. Comme une trêve, finalement, vous voyez, c'est bientôt Noël pour faire la trêve. Oui, il ne viendrait pas parce que justement le bailleur a fait de sorte qu'on se voit, et a demandé une conciliation. Oui, et oui. Il m'a refusé. Et alors? Il m'a refusé. Alors il y a Joël Ramon qui dit, et si vous aussi vous faisiez du bruit? Oui, bah oui. il faut être rock'n'roll avec quelques décibels. Oui, mais moi, c'est pas dans ma mentalité. Non, je comprends bien. Oui, je comprends que c'est pas eu pour œil, dent pour dent, et vous voudriez juste pouvoir dormir sur vos deux oreilles, hein, comme on dit. Je demande pas grand-chose. Hein. Ouais. Vous pouvez isoler, ça aussi, c'est un coût financier, isoler un peu phoniquement votre appartement?
Il y a Alors, pas des systèmes prévu, Oui. J'ai prévu, enfin, j'ai mis en place par ma caisse de retraite complète, enfin, Oui. ma caisse de retraite principale, j'ai fait faire des devis pour faire une isolation au plafond. Oui, un faux plafond avec une isolation phonique. Oui, mais bon, j'ai pensé qu'il prendrait peut-être autre chose de plus gros pour faire plus de bruit, donc. Non, bah non. Non? Non, c'est avec une bonne isolation phonique, ça peut. Effectivement, si ce coup-là vous est aidé, c'est déjà une bonne solution. Bah c'est, oui, c'est en train, c'est en cours. Et puis lui, il ne saura pas que vous avez une isolation, donc il ne va pas chercher. Il va entendre les travaux. Oui, bah vous pouvez faire d'autres types de travaux. Hein. Il n'est pas censé savoir quel type de travaux vous faites. Oh, bah ils vont bien se renseigner, vous inquiétez pas. Bah, c'est pas sûr. En tout cas, une bonne isolation phonique, même à faire énormément de bruit. On vous sent comme si vous étiez victime et prise à un piège, parce que quand vous êtes en train de me dire, bah non, même si j'ai renoncé à faire ces travaux, parce que il trouvera bien le moyen de m'embêter autrement ou de faire plus de bruit. J'ai le sentiment pareil avec ce locataire du deuxième où vous vous dites, quoi que je fasse. Je pourrais jamais m'en débarrasser, quoi. Je suis victime de ces deux énergumènes. Mmh. Oui, c'est vrai. Vous perdez un peu courage, du coup, Marie. J'en ai marre. Oui, oui. Oui, lâchez pas, parce que on est victime tant qu'on laisse les autres avoir le pouvoir sur vous. Ils vous auront pas. Autrement dit, vous allez monter au créneau, faire votre plafond, et puis voilà. Et puis peut-être essayer de rencontrer sa tutelle ou la personne voilà qui s'occupe de la curatelle. Mmh. Oui, ben je vais faire ça. Mais lâchez pas Marie, parce que sinon vous devenez victime d'eux et vous êtes en train de vous créer un scénario un peu catastrophique en vous disant mais même si je trouve une solution, ils finiront par me gâcher. Ils trouveront toujours le moyen de me gâcher la vie, oui, ces deux-là. C'est ce que je pense. Mmh. Oui, c'est ce que vous pensez qui n'est pas forcément avéré. Mmh. Et même en le pensant, ben, vous leur laissez trop de marge de manœuvre. Ouais. Il y a peut-être quelque chose à travailler avec vous-même pour leur laisser un peu moins de marge, pour être un peu plus guerrière, là, Marie. un peu plus en mode défense. Je l'étais, mais bon, j'ai des problèmes de santé aussi, moi, donc c'est pas facile. C'est pas facile. Oui, bah oui, j'entends bien que c'est pas facile pour vous, mais sans doute il faut vous défendre, parce que là, vous leur laissez trop de champ sur vous. De toute façon, déjà, j'ai regardé, enfin, c'est mon fils qui a regardé dans les administrateurs, parce que c'est quand même un bailleur social, et je connais une personne qui en fait partie maintenant, donc je vais peut-être la contacter. Oui, oui, et vous faire aider pour en parler, pour retrouver un peu de, voilà, un peu niaque, quoi. Avoir quelqu'un sur qui me poser oui. un peu mon épaule. Exactement, pour retrouver un peu de ressources et vous battre. Et repensez à votre histoire de plafond, moi je trouve que c'est une bonne idée. Oui, oui, c'est une bonne idée, mais moi c'est une bonne idée dans la mesure où ce bailleur m'aide à payer, parce que moi ma caisse de retraite ne prend pas tout en charge. Oui, c'est ça. Et moi il est hors de question que je mette de l'argent là-dedans. Ah, mais c'est mettre de l'argent pour vous protéger, hein, c'est symbolique aussi, Marie. Oui, non, mais bon, ouais, sauf n'est bon. Pas à moi. Ouais. Oui, le logement n'est pas à vous. Ouais, donc il faut peut-être voir ça avec votre propriétaire aussi, hein. Oui, oui. Oui, ouais, qui peut vous aider. Bon, bon courage, Marie. Et puis, essayez de regarder un peu voilà, les solutions qu'on a évoquées ensemble ce soir. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Et puis, on vous mettra en relation avec Mimoun, qui a laissé son numéro de téléphone pour vous, hein, et qui discutera aussi de la question de voisinage avec vous. Ah, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Vous voyez, il y a un auditeur qui dit « J'ai vécu des choses similaires, j'ai pas trouvé de solution pour ma santé, j'ai dû déménager, mais ça m'a changé la vie. Courage. » En tout cas, il faut trouver une solution pour vous, ça semble vraiment important, Marie. De ne pas rester dans le mode victime, parce que ça ne fera qu'empirer. Ouais. D'accord. Bon courage à vous. Merci de nous avoir appelés. Au revoir, Merci. Marie. Au revoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir et merci tout d'abord de m'avoir reçu sur votre antenne. Oui, bienvenue. Voilà.
Donc, en fait, voilà, ben, je vais expliquer mon histoire, en fait, qui est assez difficile à dire, mais bon, ça me fait du bien. En plus, c'est mon Oui. papa qui m'a dit, écoute l'émission sur Europe 1, c'est vrai que je connaissais pas. Oui. Donc, pour ça, ben, félicitations, donner accès aux gens de pouvoir s'exprimer, déjà, dans un premier temps. Merci. Donc, voilà, j'explique en gros mon histoire. Donc, en fait, ben, pour dire, bon, j'ai 4 enfants, j'en ai une de 20 ans, bon, elle n'est pas concernée. Une fille de 15, une autre de 14 et un garçon de 7 ans qui vient d'être placé là depuis mercredi en foyer. Ah, Voilà. suite à, oui, suite à quelle décision? Alors une décision de justice, hein, une décision de Oui, justice, oui. enfant en danger, si vous voulez. Donc ils sont sous la responsabilité de la l'ASE, en fait. Hein. Oui, mais vous étiez plus avec vos enfants ou qu'est-ce qui s'est Si passé? justement. Si Oui. justement, moi j'avais mes enfants sans avoir la garde, si vous voulez, parce que bon, j'ai divorcé avec mon ex-épouse il y a de ça 4 ans maintenant. Oui. Et puis, si vous voulez, au vu des faits qui s'est passé, moi j'ai eu les enfants chez moi 2 ans, on va dire, hein, pour les protéger dans un premier temps. Mais si vous voulez, mon ex-femme avait toujours, ben, on avait toujours notre ancien jugement qui disait que la maman en avait la garde, quoi. Donc il n'y avait rien de fait en La particulier. maman avait la totalité de la garde ou vous aviez une garde Voilà. partagée? Ah bon, et Enfin, pourquoi vous? on avait une garde partagée, oui, si vous voulez, mais bon, c'est elle qui en avait la garde, on pourrait ainsi dire, puisque moi, j'avais un droit de visite et d'hébergement classique, voyez-vous. D'accord. Donc, ben, en fait, l'histoire, c'est que, voilà, ben, mes enfants étaient abusés par son compagnon, donc il y a déjà quelques temps, parce que avant ça, nous avons une alternative au placement. Oui. Donc, c'est une observation avec une éducatrice et puis des aides familiales, vous voyez, qui venaient régulièrement chez moi. Bon, bah, pour voir comment ça se passait dans un premier temps. Et si vous voulez, ben, ces enfants-là ont été entendus dans une gendarmerie juvénile. Hein, donc, c'est spécialisé pour, ben, les enfants qui ont eu ce genre d'expérience, on va dire. Oui. Et puis, depuis, bien, écoutez, moi, on me reproche des choses, bon, qui sont totalement fausses. J'ai été au courant de rien. Vous voyez, je suis passé en tribunal tout en me disant, avec moi et mon avocate, en se disant, bon, bah, vous inquiétez pas, vous avez la garde, de toute façon, la maman a fait des bêtises, mais bon, vous êtes quand même deux parents, Oui, donc c'est ça. C'est pour ça que voilà. j'avais du mal à comprendre. En fait, vous n'avez pas récupéré la garde des enfants, du coup. Eh ben non, ni l'un ni Parce l'autre, donc si vous voulez, oui, depuis mercredi, ils bah. sont placés les trois. Voilà. Donc, ben écoute. Et pourquoi vous n'avez pas obtenu du coup, puisque bah, la maman et donc son compagnon a fait des choses épouvantables sur les enfants, pourquoi la justice a pas dit bah, on les confie à 100% au père? Eh bien justement, parce que vous voulez, si vous voulez, il est ressorti un jugement que l'éducatrice a dit devant la juge, hein, bon bah les choses sûrement, hein, moi je cache pas, monsieur, sa maison n'est pas propre, la maison est inadéquate, alors que mes enfants, ils ont une chambre chacune à mon Oui, domicile, mais enfin, il fait ouais. 200 mètres carrés, voilà. Donc c'est vrai que j'ai tout fait, j'ai tout mis en place pour que mes enfants soient le mieux possible. Donc ça fait un an que j'ai ce logement. Bon, pour dire, hein, Oui, voilà. oui, oui. Des choses qui n'ont pas été vérifiées, qui ont été dites vite fait. On me reproche, alors surtout ce qu'on me reproche, c'est pour ça que je ne les ai pas eu, mes enfants, enfin d'après moi, parce que je n'ai pas eu d'explication succincte à ce niveau, mais d'après moi, parce que si vous voulez, au mois de juillet et août, les enfants vont réclamer leur maman, hein, tout ça, ce qui est normal. Bah, d'après moi, c'est ce que j'ai dit à la justice, c'est normal que les enfants voient leur mère quand même, mais une seule condition, c'est que la maman m'avait dit, moi j'irai dans ma famille, donc les enfants, il ne faut pas t'inquiéter, j'irai chez ma mère, ils ne seront pas en contact avec ce monsieur. Oui. Mais il s'avère que bah, ils sont quand même allés chez ce monsieur. Donc la juge, en gros, hein, pour faire court, parce que c'est vrai que c'est tellement compliqué. Donc la juge, pour faire court, m'a dit, monsieur, vous êtes irresponsable, monsieur, vous avez mis en danger vos enfants, vous les laissez à la maman. Et Ah. puis, bah, et voilà, et de ce fait, bah, vous n'avez pas les enfants non plus. Donc et si vous voulez, on est passé Oui, je il y a deux comprends. semaines. Il y a 2 semaines. Et la juge a dit, bon là, moi je veux rien savoir, en gros, les enfants vont dans un foyer, enfin, Oui, on ne voilà. peut pas prendre de risque. La justice a dit à partir du Voilà, moment où le pas prendre de père risque. a écouté, a fait confiance, en fait, vous avez fait confiance, on peut se Oui. comprendre, hein, Christophe, à la maman, mais la maman Tout n'a à pas fait. respecté ben, son engagement, d'où qu'à de protéger ses enfants, Oui, et vous oui. devenez du coup, vous, responsable collatéral de ce qui s'est Voilà, passé. collatéral, oui, tout à fait. Mais Oui. bon, ben, si vous voulez, c'est quand même injuste parce que si vous voulez, Ouais, je c'est très dur comprends. parce que si Ben vous oui, voulez, c'est dur. les Ouais. enfants sont là-bas, donc il faut les appeler une fois par semaine. Il faut bien le préciser, et pas avant. Mon fils va avoir 8 ans, donc mardi, là, Ouais. donc j'ai le droit d'appeler, heureusement.
Ils ont été scolarisés, parce que si vous voulez, ça s'est fait tout de suite. Hein, donc, j'ai été scolarisé dans d'autres établissements scolaires, dont je ne suis aucunement responsable. Ils ont dû changer d'établissement scolaire en cours d'année. Voilà, et je ne suis pas informé de rien du tout. Vous voyez, c'est très, très compliqué, très dur aussi à vivre. C'est très dur à vivre pour vous, bien sûr. Est-ce que votre avocat vous laisse un espoir, enfin, de quelle façon, en vous engageant ou en signant, pour pouvoir récupérer vos enfants et en étant bien ferme sur le fait qu'ils seront protégés à 100% par vous? Alors voilà, si vous voulez, moi j'ai une avocate qui m'a suivi. Hein. Oui. Je ne remets pas en cause ses capacités ou autres, mais si vous voulez, je sens que je ne suis pas à l'affaire parce que là, elle ne me rappelle plus. Bon, en sachant que moi, j'ai fait appel tout de suite parce que que voilà, moi, c'est sûr, on me reproche ça, c'est pas anodin non plus. Mais il aurait fallu, quand on est passé, par exemple, la première fois au tribunal, me dire, écoutez, monsieur, il faut faire attention à ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous voyez, ça aurait été mis sur papier. Oui, mais ils ne peuvent pas... Vous voyez, Christophe, c'est trop grave ce qui s'est passé pour vos enfants. Oui. Donc, ce qui se dit, c'est risque zéro, là, pour eux. Et tout à fait. Mais il aurait fallu mettre les choses. Vous n'avez pas imaginé que votre femme, enfin que la maman, votre ex-femme, elle comprend, enfin elle comprend pas, elle réalise pas ce qui se passe pour ses enfants. Oui, voilà, ouais, tout à fait. Et si vous voulez, c'est le cas. Ouais. Donc, oui, et puis si vous voulez, on est passé donc en justice, et puis la maman a dit, moi je suis fatiguée, je suis malade des nerfs, avec son avocate, donc qui a dit carrément. Qui a dit, moi je préfère que mes enfants soient placés, ils seront mieux là-bas, ils seront mieux suivis. Alors que voulez-vous après La maman a dit ça. Ouais. Oui. Donc après, du coup. Et vous me disiez que vous avez il y a une grande sœur donc de ces trois enfants. Oui, il y a une grande sœur de 20 ans, oui. Qui est majeure, oui. Quelle relation vous avez avec elle? Mais une relation tout à fait normale. Hein. Oui, oui. Et est-ce qu'elle a un rôle ou pas à jouer là-dedans vis-à-vis de ses frères et sœurs? Et quel rôle elle peut jouer? Eh bien, écoutez, elle aurait pu jouer un rôle en disant, écoutez, au niveau de la justice, moi, je suis grande. Bon, elle est très proche de ses frères et sœurs, donc elle aurait pu dire éventuellement ou qu'on puisse nous dire, parce que ou la famille ou leur sœur qui puisse prendre éventuellement le relais plutôt que de les mettre dans un foyer, vous voyez. Ouais. À l'heure actuelle, mes enfants sont perdus, hein, faut bien dire ce qu'il y a. Ils n'ont plus aucun contact. Donc, et puis en plus de ça, honnêtement, c'est pas leur place. Donc, je veux dire, c'est des enfants qui sont quand même, qui suivent bien à l'école, qui sont malgré ce qu'ils ont subi, parce que ça, j'en suis conscient aussi. C'est forcément qu'ils le gardent soit en eux, soit. Mais c'est pas des enfants turbulents et tout ça. Et là-bas, ils sont tombés quand même avec des gens qui ont un certain problème, entre guillemets, donc c'est vrai que ils comprennent pas trop, quoi. Vous voyez? Mais oui. Qu'est-ce qu'ils ont pu vous dire, vos enfants, de ce qui s'est passé là pour eux? Vous avez pu un peu leur parler? On en a longuement parlé, donc ils comprennent pas, ils m'ont dit on voudrait bien rester, mais on n'a pas le choix, en fait, parce que la juge les a reçus, bien sûr, dans leur bureau. On leur a expliqué pourquoi, oui. Bah écoutez, honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup d'explications. Si vous amenez vos enfants un jour, on leur fera visiter le bâtiment. Il n'y a pas eu de suivi derrière. Et c'est ce que je reproche quand même, parce que mes enfants, ils ont été mis là-bas sans vraiment leur expliquer le pourquoi du comment. Vous voyez, ça a été fait vite fait, quoi. Et ça, c'est... On a beau dire, mais plus tard, Vous avez raison. Et vous disiez que votre avocate, vous ne la sentez pas assez... c'est en prise sur votre dossier aujourd'hui. Oui, je la sens pas impliquée, mais c'est-à-dire qu'elle comprend pas trop parce que si vous voulez après ça, les enfants en veulent pas à leur mère et d'après l'avocate, elle comprend pas leur attitude. Mais j'ai dit, il faut les comprendre, c'est quand même des enfants et ils ont une mère, malgré ce qui s'est passé, ça restera leur mère et toute leur vie. Donc. Voilà, le problème, il est là, quoi. Donc, l'avocate. Ouais. Vous comprenez, Christophe, parce que effectivement, Yvan, ce que je vous ai dit aussi, est-ce que vous comprenez que le juge a estimé que vous aviez gravement mis en danger vos enfants en laissant la porte ouverte à l'agresseur?
Donc ça, vous, voilà. Bien sûr, et j'en suis conscient d'ailleurs. Voilà, même bien sûr sans intention, vous voyez, de nuire ni qu'est-ce, mais vous avez fait donner une confiance qui a été largement trahie, et la maman a pas l'air tout à fait au fait. Enfin, elle a peut-être des problèmes psychiatriques. En tout cas, elle réalise pas très bien, j'ai l'impression. En tout cas, elle est malade des nerfs, elle va pas bien, la maman. Elle ne réalise pas, et au final, ce n'est pas les adultes qui sont punis, au final, c'est les enfants, faut se le dire. Ouais, vous voyez ? Bien sûr. Enfin, le plus, quoi, parce que les parents, ils souffrent, certainement. Peut-être, Christophe, alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre affection, mais peut-être de consulter ou de voir un autre avocat, de reconstituer un dossier, de voir peut-être avec votre fille aînée. De quelle façon vous pourriez mettre vos forces ensemble? Parce que c'est vrai qu'une jeune fille de 20 ans, vous m'avez dit, ou 22 ans, oui. 20 ans, elle peut pas prendre ça, c'est lourd pour elle, elle peut pas prendre ça en charge. Non, mais bien sûr, et puis c'est pas son rôle. C'est pas son rôle, voilà, on est d'accord. Oui. Par contre, elle peut être, c'est pour ça que je vous demandais comment vous entendiez, elle peut être une ressource pour vous, pour en discuter, pour mettre en place un plan, pour solidifier votre défense, si vous vous entendez bien, pour comprendre que la maman peut plus assurer son rôle de maman et que ses enfants retrouvent un foyer avec leur papa. Oui, parce que il faut bien penser que moi je comprends qu'elle soit en difficulté, tout le monde peut l'être, mais il faut penser qu'il y a quand même quelqu'un d'autre. Vous parlez de qui ? De votre ex-femme ? Voilà, de mon ex-épouse. Donc. Ouais. Il faut comprendre que je suis là aussi, donc c'est vrai que quand on a la chance d'avoir ses deux parents, et on peut compter sur l'un ou l'autre un jour dans sa vie. Oui, vous voyez ? Oui, je suis d'accord avec vous, mais là vous pouvez plus être dans la trop grande compréhension de votre ex-femme, dans le sens où il y a eu un danger très grave et une atteinte à l'intégrité physique et psychique de vos enfants. Et là, je vous entends, alors avec, et c'est tout à votre honneur, vous voyez, avec une grande humanité envers elle, et vous respectez, c'est la maman de vos enfants, mais là, il y a un vrai danger. Peut-être que le juge, tout comme moi, ne vous a peut-être pas senti assez, comment dire, concerné ou en colère ou en défense de vos enfants. Vous voyez, en père qui dit, on passera pas. Oui, non, mais j'en doute pas un instant, Christophe. Mais c'est là où je dis que sans doute votre sensibilité, votre grande compréhension, votre empathie, voilà, tout ça vous a entraîné vers quelque chose où le juge s'est dit, lui, il est un peu trop doux, trop cool, ou voilà. Trop laxiste, et il va pas assurer. Non, mais oui, c'est ce qu'après coup, c'est ce que j'ai pensé. Oui, très certainement. Si vous voulez, puis il y a eu beaucoup de jalousie, c'est des choses qui... Jalousie, c'est-à-dire de la part de qui ? Oui, parce que, si vous voulez, ça ressort que j'avais quelqu'un... Alors, si vous voulez, moi, on ne m'a pas laissé de chance, parce qu'on, sur le jugement, ça a été dit que, j'avais une personne chez moi, donc une compagne, qui perturbait la vie de mes enfants, alors que le souci, c'est que j'ai jamais eu personne chez moi. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont, qui ont été dites, mais on m'a laissé aucune chance, aucune. J'ai toujours tout fait, donc au mieux possible pour mes enfants. Oui, je comprends. Si vous voulez, honnêtement, quand je suis passé en justice, j'aurais jamais cru qu'on allait me retirer les enfants, vous voyez. J'en étais persuadé d'ailleurs. Oui, d'où ce moment difficile où vous n'avez pas, assez bien travaillé votre dépense au départ parce que vous étiez confiant. C'était une évidence que vous auriez vos enfants. Ah oui, c'était une évidence pour moi. Voilà. Oui, et moi et mon avocat. Ouais. Ouais. Et maintenant, c'était une évidence parce que on dit, monsieur, mais les enfants ont mangé, mais au fond de moi, non, pas du tout. Vous voyez. Comme dit Monica, ne baissez pas les bras, battez-vous pour récupérer vos enfants, parce que les enfants placés se perdent souvent, dit Monica, et là, maintenant, la balle est dans votre camp, Christophe, il va falloir remonter au créneau, un dossier, maintenant que vous comprenez mieux, il y avait comme une certaine forme de naïveté chez vous, alors ça arrive, quelquefois on ne sait pas et on imagine que le bon sens de dire il y a un père et il est vaillant, forcément je vais les avoir, mais il y a eu un précédent qui pour la justice n'était pas possible, les enfants, la justice fait bien son travail aussi, elle protège les enfants et qui croire, il faut un bon dossier, il faut vraiment bien travailler la question.
Voilà, il faut aller dans ce sens, ça c'est ouais, sûr. c'est bien que vous ayez fait appel. Et puis, il y a Yvan qui dit, vous pour souhaiter garder lien avec la maman, faire des visites surveillées. Tout à fait. Mettre oui. en place des visites surveillées. Tout là, à fait. Là, ce que vous allez faire, vous allez continuer à voir vos enfants à raison, vous avez le droit une fois par semaine, c'est ça? Non, non, une fois par mois. Une fois par mois. Ah oui, et ça pour peut les voir. Ça peut s'assouplir par la suite ou comment ça se passe? Bah écoutez, pour l'instant, c'est basé sur une année. Donc, une année jusqu'en septembre 2016. Et pour les voir chez moi, c'est une fois par mois. Parce que la maman, elle a une fois. Donc, vous voyez. La maman va les avoir une fois par mois aussi? Voilà. Oui. Et comment ça se fait puisqu'il y a ce compagnon Alors, elle les verra, mais en interne, c'est-à-dire soit au centre, soit elle les emmènera à se promener, si vous voulez. D'accord, et elle les ramènera au centre. Oui, voilà, je comprends. En aucun cas, ils doivent rapprocher cet individu, comprenez oui, bien. Oui, bien sûr. Et donc, vous pourrez et moi, les... Et moi, je pourrais les avoir à mon domicile, il n'y a pas de souci pour ça. D'accord. Voilà, mais si vous voulez, c'est très lourd, parce que pour la semaine, c'est une fois par semaine qu'on doit les appeler, hein, que ce soit moi ou mon ex-femme. Une fois par semaine, et on les a donc une fois par mois. Parce que si vous voulez, c'est une fois moi, une fois la maman et une fois le centre. Ouais. Pour les week-ends. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même vraiment, vraiment... c'est très lourd, parce ouais, que si vous voulez... donc c'est pour ça que je voulais appeler, parce que c'était surtout pour dire à des auditeurs qui seraient aussi dans mon cas, ouais, que finalement, on souffre au début, même toujours, hein, mais je veux dire, c'est très très dur dès le départ. Mais il faut pouvoir relever la tête de l'eau. Voilà. Il faut se dire, eh ben, on va aller dans le bon sens. On apprend de ses erreurs. Enfin, moi, oui, c'est ce que bien sûr, on apprend de ses erreurs. Oui. C'est pour une anecdote toute simple, hein, c'est que voilà, je suis allé voir une instance sociale parce que bon, je suis obligé de laisser mon logement puisque finalement on me reprend les allocations familiales et tout. Hein, donc pas la question, mais bon, on vous coupe carrément l'herbe sous les pieds, vous voyez. Et puis là, récemment, j'ai trouvé un autre logement, hein, donc de moi-même, hein, sans être assisté, on va dire. Donc voilà, tout est possible, il suffit il suffit d'y croire. Oui, d'y croire et de se battre. Ça va vous donner sans doute beaucoup de force. En tout cas, je vous le souhaite, Christophe, de vous battre pour récupérer vos enfants, de remonter un dossier et peut-être d'avoir un lien fort avec votre fille aînée qui peut être effectivement un bon supportif pour vous. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'on a besoin, et c'est vrai que dans ces moments-là, oui, les gens on a besoin de resserrer les liens familiaux. Là, vous me disiez que c'était votre papa qui vous avait conseillé d'appeler Europe 1 ce soir. C'est important. Qui doit écouter d'ailleurs. Oui, formidable. Voilà. Merci à lui. Et c'est vrai. J'ai fait un bisou aussi, s'il écoute. Mais voilà. C'est très important, là, que vous soyez entouré, Christophe. Tout à fait. Oui, c'est important parce que, comme je disais, les amis, si vous voulez, mais ils comprennent pas toujours la situation parce que, vous voyez, il faut toujours répéter. Donc, chacun a son opinion. Oui, chacun a son opinion. Ouais. Voilà. Ouais, vous vivez quelque chose de difficile, douloureux, qui vous demande beaucoup de courage et d'énergie, va vous en falloir. Et donc, restez bien en lien avec ceux qui vous sont chers et qui croient en vous. Et d'avoir effectivement, peut-être ça passera par le fait de changer d'avocat, mais vous allez, je vous le souhaite en tout cas, vous allez y arriver. Il y a Yvan qui vous dit courage, Christophe. Oui, c'est gentil. Ouais, merci à lui. Ouais. Oui, c'est sûr, il en faut. C'est mais vrai vous raisonnez bien, vous voyez, je vous sens sans amertume. Quand vous en parlez, vous dites, on apprend de ses erreurs, j'ai compris, j'ai pas vu ça, je trouvais ça tellement évident que je les aurais, que je me suis pas battue en pensant à ça. Et oui, parce qu'on ne s'imagine pas ces choses-là, vous voyez, c'est quand même très grave de placer des enfants. Bien sûr, on ne s'imagine pas que ça puisse nous arriver ou arriver à soi, comme vous. Oui, et puis on pense à eux, parce que surtout le petit qui a 7 ans, vous voyez, ça ne va pas être vraiment facile pour lui, quoi. Oui, bien sûr, c'est terrible. Ce serait important que vous puissiez leur dire ça quand vous les verrez, que vous compreniez. Voilà, oui. Hein, c'est vrai que j'ai hâte de les récupérer, donc à partir de ce vendredi prochain, je vais les récupérer. D'accord, parce que j'entends que vous avez les bons mots, Christophe, et les mots justes. Peut-être leur expliquer qu'il y a une justice qui est là pour les protéger, que c'est un moment transitoire et que vous allez tout faire pour reconstituer pour eux un lieu de vie tous ensemble et que ça prendra un tout petit peu de temps et que c'est une solution d'attente. Oui, voilà, je suis pas. C'est vrai que tôt ou tard, je me dis toujours que les choses s'arrangeront. C'est le but.
Ouais. À une condition d'aller dans le sens qu'il faut. Il y a un auditeur qui demande est-ce que le compagnon là, de votre ex-femme a été jugé, lui, pour cette agression ? Alors, il faut bien dire une chose, que moi j'ai tout fait pour qu'il soit jugé. Alors, si vous voulez, les enfants ont été entendus dans un centre juvénile. Donc c'est une gendarmerie spécialisée pour les enfants qui ont été abusés, comme ça. Hein, vous voyez ? Mais si vous voulez, la maman leur a dit un petit peu de temps avant, si vous parlez, maman, ils allaient en prison, vous voyez. Donc je le dis comme je le pense, puisque ils sachent aussi pourquoi mes enfants n'ont pas parlé. Donc moi j'ai bien dit oui, mais ils m'ont dit, nous on entend les enfants, donc c'est des enfants qui sont filmés, il faut savoir. Parce que c'est la loi, ils sont filmés. Et ils sont allés deux fois, et deux fois, ils ont dit que c'était pas vrai finalement. Oui, parce qu'ils ont eu une pression. Et voilà, pour répondre à l'auditeur qui demande. Donc, du coup, lui, il est toujours... Et lui, il est en liberté, donc c'est-à-dire qu'il va au travail tous les jours, il se promène, et puis, on va dire, il dort sur ses deux oreilles. Oui, enfin, il n'empêche que le juge a bien reconnu qu'il y avait eu agression sur les enfants, puisqu'on vous a retiré, à cause de ça, la garde, et ils ont été placés en foyer, plus confiés à la mère. Ah mais il faut savoir que bien sûr que ça c'est parce que moi mes filles m'en ont parlé. Hein. Oui. Quand je suis allé à la gendarmerie, je leur ai dit, vous voyez, je leur ai dit ce qui s'était passé parce que ça fait longtemps que cette histoire traîne. Et ce monsieur en question, cet individu on va dire, toujours en liberté. Donc c'est pour ça des fois on se dit, moi des fois bon j'ai eu beaucoup de colère pour ça parce que je dis voilà les petits ils sont là-bas et puis ce monsieur en question il est en liberté. Vous voyez, c'est ça que des fois il y a de quoi. Péter un boulon, si on peut. Oui. Mais il ne faut surtout pas le faire. Surtout pas le faire, non. Ouais. Voilà. Ouais. Bah oui. C'est très dur. Hein, il faut garder de la maîtrise et être malin. Être malin voilà. Dans le sens exercer son intelligence de la situation, aussi épouvantable soit la situation. Voilà, quel est l'intérêt des enfants ? Quel est votre intérêt ? Quelle est son intention ? Qu'est-ce qu'on vise ? Le reste, péter un boulon, comme vous dites, c'est se laisser aller à la colère et à l'émotion. Certes, ça ne vous empêche pas de l'avoir, la colère, elle est bien là. Et vous avez raison. Vous avez raison, bien sûr. Il y a de quoi, évidemment. Oui, parce qu'elle serait destructrice, en fait. Parce qu'il faut bien se dire que dans des histoires comme ça, vous allez avoir des gens qui ne vont pas réagir comme moi, qui vont faire des bêtises, et puis finalement, ils n'auront rien gagné, quoi. Ça, c'est clair. Il faut bien insister sur ce fait. Ouais. Bon, c'est facile à dire et pas facile à mettre en œuvre. Oui, pas toujours facile. Hein. Quand il s'agit de la chair de sa chair et de ses enfants, c'est pas évident. Tout à fait, oui, parce qu'on peut, on peut avoir plein de galères dans la vie. De toute façon, il y a des hauts et des bas. Ouais. Vous pouvez pas avoir l'argent. Mais quand on vous enlève vos enfants, croyez-moi, c'est quelque chose de... Ouais. Enfin, c'est inimaginable. C'est inimaginable, hein. Oui, j'allais dire c'est inconcevable, mais c'est inconcevable. Et inimaginable aussi, vous l'aviez pas imaginé, hein, c'est bien pour ça. Non, tout à fait, non. Et, je pense à eux tous les jours. J'imagine leur mal-être. Hein. Bon, il faut dire une chose aussi. Ils arriveront à s'y faire parce qu'ils n'ont pas le choix. Oui. Au début, ça va être dur, puis après, ils vont trouver des copains, tout ça, parce que vous savez, ils ont dû tout quitter, les écoles, leurs équipes de foot et tout. Sans pouvoir même dire au revoir, parce que même moi, parent, c'est difficile d'aller voir un coach et de dire, voilà, écoutez, c'est très dur d'en parler à des gens, parce qu'ils vous comprennent ou ils ne vous comprennent pas, vous voyez. Oui. Vous vous sentez jugé dans votre histoire, Christophe ? Ah oui. Quand vous en parlez ? Quand on parle des gens, tout de suite, ils se posent la question, mais pourquoi ? Ah oui, est-ce qu'il a fait quelque chose de mal ? Oui, est-ce qu'il a fait de mal ? Et puis, il faut comprendre aussi ces personnes-là, parce que qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on lui enlève ? On n'enlève pas des enfants comme ça, il y a certaines personnes qui disent ça, oui. Oui, c'est vrai. Du coup, ça veut dire expliquer, comme vous venez de le faire là, à l'antenne d'Europe 1, c'est important de prendre le temps d'expliquer pour justement ne pas être enfermé dans des jugements à l'emporte-pièce. Tout à fait, oui. Donc, c'est vrai qu'il faut aller dans le bon sens. Ouais. Donc là, je suis suivi à nouveau éducateur, parce que c'est vrai que la précédente, elle a dit un petit peu des choses... qu'elle a entendu à droite à gauche, faut bien se le dire. Donc, on va essayer de repartir sur des bonnes bases. Oui. Et puis essayer de faire tout ce qu'il faut. Vous faites épauler par l'assistante sociale, c'est ça ? Oui. Oui, c'est important. D'accord. Voilà. Qui vous guide et qui vous pilote un peu. Oui. Voilà. Mais oui, c'est bien, c'est bon d'en parler. Moi, j'ai quelques amis, heureusement, d'ailleurs. Alors, on en parle, ça fait du bien d'en parler. Et puis, comme mon papa m'a dit, écoute la radio Europa, tu verras, il parle un petit peu de choses, comme ça, et tout, essaye. C'est pour ça que j'ai dit, tiens,
j'avais pas forcément envie de le faire, mais j'ai dit ce serait bien. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, Christophe, de votre expérience à l'antenne d'Europe 1 ce soir, avant qu'on se quitte? Eh ben, pour le fait d'avoir passé à votre radio. Oui. Eh ben, de ça notre m'a fait échange. Du bien parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui écoute cette émission, finalement. Ah oui, 422 000 auditeurs, exactement, voilà, donc, les derniers chiffres. Et puis, il y en a certains peut-être qui pourront se projeter un petit peu dans mon histoire, parce que bien je suppose sûr. Que, ben, bien sûr, je ne suis pas un cas isolé, mais tout ce que je peux leur dire, ben, c'est être fort, facile à dire, pas facile à faire. Mais oui, facile à dire, mais important de se le dire, parce que si on ne se le dit pas, oui. Oui, et je rajouterais que ben, finalement, votre émission est très bien, parce que c'est vrai que c'est très bien pensé, parce qu'il y a très peu de radios qui laissent libre champ aux gens pour s'exprimer. Oui, qui est ouvert en pleine. Et je trouve que c'est très, très agréable de pouvoir en parler, en sachant qu'on parle dans une radio, que bon, il y a des milliers d'auditeurs qui vous écoutent. Donc c'est bien. Voilà, c'est bien. Ça m'a fait du bien aussi. Ah ben formidable, je suis contente de vous entendre nous dire ça ce soir, Christophe, voilà. Que ça vous a fait du bien, parce que voilà, c'est vraiment l'objectif de cette émission, c'est de faire du bien à ceux qui appellent et ceux qui écoutent. Alors Christophe, voilà. J'ai aussi une bonne nouvelle pour vous. Il y a Yvan qui laisse son numéro de téléphone pour vous, et Alban aussi, et en fait Corentin ou Quentin vont vous reprendre hors antenne quand on va se dire au revoir là, pour vous donner leurs coordonnées, vous pourrez rentrer en contact avec eux. Alors, continuer le dialogue. Je peux leur dire un grand merci déjà. Oui. Parce que bon, ils ont écouté attentivement, à mon avis. Donc, merci à eux. Merci, voilà. Merci à vous. Christophe, je vous laisse avec le message d'Aliso qui va vous mettre du baume au cœur là, avant qu'on se quitte, qui dit « C'est honteux, le père a la tête sur les épaules, il est aimant, il a l'esprit d'analyse, il mérite ses enfants à 200%. » Ah, eh bien écoutez... gardez ça avec vous. Oui. Oui, c'est très gentil et c'est vraiment l'image que je me donne, on va dire. Voilà, c'est l'image que vous allez vous donner. Voilà, oui, tout à fait, oui. Bon courage à vous, Christophe, je vous embrasse. Je souhaite de tout mon cœur que vous retrouviez vos enfants très vite. Eh bien, mais écoutez, merci beaucoup et merci de m'avoir pris dans votre émission et continuez comme ça, bravo. Merci à vous, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Minuit 12, vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant une heure pour parler de vous, de vos amours, de vos combats ou encore de vos peurs. Et ce temps de parole entre nous est important, important parce qu'il permet de donner un sens à ce qui vous arrive. Et ce sens, c'est celui qui nous aide à vivre. Alors si vous souhaitez explorer de nouvelles pistes, atteindre un nouvel équilibre, quitter des vérités toutes faites, je vous propose de nous appeler au 3921. Vous serez accueillis au standard ce soir par Quentin et Corentin. Et c'est Andreas Papadian qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 739-21 en commençant votre texto par le mot « nuit » ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 3921. Pour dialoguer avec Sophie Peters, envoyez le mot « nuit » suivi de votre message au 739-21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Christophe, si vous nous écoutez toujours, on est ensemble juste avant le journal de minuit, il y a Nanou qui envoie un message pour vous en disant « Il faut faire appel à chaque décision du juge, s'armer de patience et de courage. J'en ai la triste expérience, mais j'ai gagné. » Voilà pour vous armer de courage, Christophe. Vous êtes là, Isabelle ? Oui, je suis là. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. Bienvenue. Alors, Isabelle, vous vouliez nous parler, vous, de vos relations sentimentales? Oui, exactement. Oui, oui voilà, il y a 2 ans de cela, après que je n'ai rechuté dans une sorte de gouffre dans la dépression, dans un centre de jour, j'étais hospitalisée et j'ai rencontré vraiment un homme avec qui j'ai flirté gentiment, poliment, et avec qui j'ai été boire un café, bien sûr, chez lui. Et de là, bon, on a eu quand même une très bonne attirance. Et cette attirance s'est montrée très volontaire. Mais après, lui, il n'a pas voulu
continué, il n'a pas voulu en savoir plus sur moi. Alors bon, moi, c'est sur le coup, j'étais tellement stressée, tellement angoissée que j'ai rien su dire. Je lui ai juste dit d'accord. Alors du coup, maintenant, je me sens pas très très bien, très angoissée. J'ai peur que vraiment, finalement, j'ai perdu quelqu'un qui aurait pu m'apporter vraiment beaucoup de choses, avec qui j'aurais pu vraiment avoir un bel avenir, de beaux jours. Alors vraiment, je suis vraiment dessus de cette coupure comme ça, d'un seul coup, après juste deux ouvertures, deux fois qu'on se voit. Alors vraiment, j'en suis vraiment un peu malade quand même de n'avoir pas assez montré vraiment que j'avais beaucoup d'attirance pour lui et que finalement il est parti avec une autre, quoi. Voilà, vous, quoi. Vous pensez, Isabelle, que vous auriez pu faire quelque chose pour ça, c'est-à-dire vous me dites, si j'avais montré plus d'attirance pour lui, peut-être qu'il ne serait pas parti. Oui, peut-être. Pourquoi peut-être. Vous vous dites ça, Isabelle? Je ne sais pas, je pense que justement j'ai réfléchi tellement de fois avant de vous appeler, de vous avoir au téléphone, donc pourquoi et moi j'ai trouvé que cette solution-là, c'est que j'avançais pas trop vers lui, je montrais pas assez vraiment que quelle personne j'étais, comment j'étais, même ma gentillesse, ma bonté, tout ça, et finalement. En fait, vous pensez que tout ça c'est de votre faute, Isabelle, que si vous aviez tout fait autrement, parce que c'est vrai quand vous dites j'aurais pu avoir un bel avenir, j'aurais pu, vous me racontez toute cette histoire comme si vous étiez la seule à pouvoir. Oui, pour moi c'est moi qui a fait la faute, quoi. Pourquoi? J'aurais pas dû. Lui ne poursuit pas dans une histoire. Isabelle, on est deux. Mais oui, on est deux. Ouais. Et donc, si l'autre ne veut pas poursuivre, vous pensez que vous auriez pu faire autrement pour qu'il veuille quelque chose que vous vouliez, mais peut-être que lui ne voulait pas. Oui, j'ai pris dans cette condition-là aussi, mais j'ai trouvé que justement, j'ai pas trouvé vraiment pourquoi ça devait en arriver là entre nous deux. Et si ça dépendait pas de vous, Isabelle? Si ça dépendait pas de moi, je trouve ça dégoûtant, quoi. Ah, alors allez-y, pourquoi c'est dégoûtant? Parce que, moi j'ai trouvé que quand nous deux, on était ensemble, on se sentait bien à deux, on était bien, et que d'un seul coup... Ça c'est votre perception, ça c'est ce que vous viviez. Vous, vous étiez bien avec lui. Oui, moi j'étais bien avec lui. Mais j'ai pas compris vraiment pourquoi ça devait s'arrêter entre nous. C'est blessant pour vous de vous dire je suis bien avec quelqu'un qui, lui, n'est pas aussi bien avec moi que moi je suis avec lui. Et du coup, il me quitte. Oui. Ça, c'est douloureux. C'est vrai. Oui, c'est très douloureux. C'est très douloureux. Mais qu'est-ce que vous y pouvez? Est-ce que ça dépend vraiment de vous? Je ne sais pas. Peut-être quand on que se non. Plaît, on se plaît ou on ne se plaît pas. Et quelquefois, dans les rencontres, c'est pas réciproque. Ah bon? Ouais. Moi, je pensais quand même que j'étais assez jolie quand même pour que lui... C'est pas ça? Est-ce que c'est vraiment une histoire d'être jolie? Vous savez, Est-ce que se plaire, c'est juste une histoire de physique? C'est beaucoup le physique chez certains hommes. Hein, pas forcément. Pas forcément, Isabelle. Ce qui est douloureux, c'est que vous êtes en train de vous faire du mal, vraiment, du mal à vous, en vous disant « j'aurais pu avoir un bel avenir, j'aurais dû faire autrement, il ne m'aurait pas quitté si j'avais pu, si j'avais su, j'aurais fait différemment. » Oui, c'est ce que vous n'aviez je me pas dis, ce pouvoir-là, Isabelle. Mais non, je n'avais pas ce pouvoir-là, bien sûr. Mais non. Alors par contre, ce qui est blessant pour vous, du coup, comme si vous lâchez cette histoire de j'aurais pu, j'aurais dû, ce qui est blessant, c'est que juste derrière, vous me dites, en fait, je lui plaisais pas. Et ça, c'est encore plus douloureux que de se dire,
Vous voyez, entre deux douleurs, on choisit souvent le raisonnement le moins douloureux. Le moins douloureux, c'est de vous dire je suis une imbécile, j'aurais dû faire autrement. Mais imaginez que je lui plais pas, ça fait encore plus mal. Ah bon, bah oui, je sais ça, mais je me pose tellement de questions, ouais. À savoir vraiment, est-ce que vraiment j'aurais dû complètement oublier? Est-ce que j'aurais dû l'oublier complètement? Oui. Oui, je vous dis oui, Isabelle, parce que cette histoire ne s'est pas faite, ne s'est pas enclenchée. Comme dit David, faut avancer, Isa, le passé, faut le laisser derrière soi. En amour, regarder devant. Et là, si l'histoire ne s'est pas enclenchée, ben peut-être qu'elle vous aurait pas tellement plu, cette histoire-là. La vie peut être bien faite quelquefois. Quand vous dites j'aurais pu avoir un bel avenir, vous auriez pu aussi avoir un moche avenir. Oui, peut-être aussi, c'est vrai. Parce que vous accrochez, plus vous accrochez en vous disant j'aurais pu ou j'aurais dû, et vous restez dans ce passé qui ne passe pas. Vous figez le passé. Mais oui, j'ai du mal avec mon passé. Mmh. J'arrête pas de parler de mon passé. J'arrive pas à parler au présent. Ah oui. J'arrive pas à penser au futur. Oui. Ouais. J'ai vraiment du mal de comme ce côté-là. Passé encombrant, ouais. Mais oui, j'ai tellement eu un passé qui n'a pas été vraiment le top niveau de mon adolescence que maintenant que j'ai 35 ans, je me dis bon ben maintenant tu pourrais quand même faire quelque chose pour que tes parents soient fiers de toi. Oui. Mais bon. Et quand après, ça se passe pas que... comme ça, vous vous dites ben tout ça c'est de ma faute. Décidément, je me débrouille toujours aussi mal, quoi. Bah, apparemment, oui. Oui, alors que c'est pas vous, là. C'est pas. Là, c'est pas ce que vous auriez pu faire ou dû faire ou dû être. C'est, comme dit un auditeur, c'est Ben, qui dit c'est pas votre faute, c'est la vie. On se casse la gueule et on se relève. Et la vie peut être belle aussi. Mais est-ce que lui, par exemple, est-ce que lui pense que aussi il a fait une erreur ou pas? Sans doute pas. Sans doute pas, vous dites qu'il est parti avec quelqu'un d'autre. Bah oui, il est parti avec quelqu'un d'autre. Oui, ça vous aiderait de vous dire ça, Isabelle, qu'il ait fait une erreur? Bah oui, ça m'aiderait beaucoup, oui, de savoir qu'il est parti avec quelqu'un d'autre. Non, ça vous aiderait beaucoup de penser que il puisse se dire qu'il regrette de vous avoir quitté et qu'il aurait été mieux avec vous. Oui, ça aussi, oui, bien sûr. Comme dit Pnop, ça aurait pu être bien comme mal, et comme chante Jonas, il est parti pour une autre, pas à cause d'elle. Avec le conditionnel, on peut tout rêver. Mais de toute façon, vous savez, quand il m'a invité chez lui, on a juste discuté comme ça, vraiment, un tout petit peu. On ne pouvait pas se permettre, même tous les deux, de s'engager tous les deux tout de suite, comme ça. Oui. C'était pas possible. Mais de là, est-ce qu'il m'ignore, qu'il ne fait plus attention à moi, qu'il... Il est passé à autre chose, et vous, non. Et vous, non. Et moi, non, oui. Ouais. Et là, plus vous allez rester là-dedans, plus vous vous faites mal. Oui, je sais. Alors peut-être ça vous me dites que vous êtes toujours très angoissée. Peut-être ça vous protège aussi de vos angoisses, parce que comme ça, vous ne regardez pas devant. Parce que regarder devant, ça vous fait très peur, manifestement, Isabelle. Mais oui, ça me fait très peur de regarder devant. Alors, vous regardez derrière. Je regarde beaucoup derrière, oui. Mais alors, imaginez comment on fait pour avancer quand on regarde derrière. Imaginez qu'en voiture, on roule en regardant dans le rétroviseur. On est sûr d'avoir un accident. Mais oui. Mais oui. Donc, peut-être ça ne vaut pas trop le coup quand même d'avancer en... C'est difficile d'avancer en regardant derrière. Vaut mieux même rester, faire du surplace. Parce qu'on ne peut plus avancer si on regarde derrière. Non. Donc, vous ne pouvez plus avancer vers une autre histoire d'amour si vous regardez tout le temps celle-là dans votre rétroviseur. D'accord. Vous allez essayer de regarder devant, Isabelle? Oui, je vais essayer de regarder devant. Oui, ce ne sera peut-être pas si effrayant que ça. D'accord. En tout cas, pas plus que ce que vous regardez derrière, finalement. D'accord. On va faire ce pari-là, d'accord? Oui, d'accord. D'accord. Bon courage à vous, Isabelle. Merci. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Alexis. Bonsoir, Sophie. Bienvenue. Merci, je suis très honoré de vous parler. Oui. Bonsoir à tous les auditeurs. Vous appeliez, oui. Alors, Corentin m'a un tout petit peu brouillé en me disant que vous aviez une histoire
rocambolesque et incroyable à nous raconter. Oui. Et elle est vraie, c'est pas une invention. Et elle est vraie, c'est pas une invention, c'est aussi ce que m'a dit Corentin. Même moi j'ai du mal à y croire et ça fait un petit moment que je pense à vous appeler, je vous écoute depuis à peu près, ça va faire une petite année que je vous écoute régulièrement, que je vous ai découvert et que régulièrement je vous écoute, surtout le week-end. Et donc ça m'inspire beaucoup, je me dis souvent est-ce que j'appelle pas et bon là voilà j'ai appelé. Ouais. Je sais pas par où commencer. Bah, par le début je crois. Alors... je suis séparé d'une personne depuis quelques jours. Donc c'est frais, tout ça. C'est une personne que j'ai attendue pendant 10 ans, qui est plus jeune que moi. C'est pour ça que je l'ai attendue si longtemps. J'ai 33 ans. Mmh. Elle en a 22. Ouais. On s'est rencontrés, donc on se connaît depuis près de 20 ans. Mmh. On s'est rencontrés lorsque j'avais à peu près 19 ans. Je suis parti, j'ai quitté l'école à l'époque. Et pour des raisons, on va dire, pour des raisons, l'institution ne me plaisait plus et j'ai décidé de rentrer en révolte, on va dire, à ma manière. Et plutôt que de rentrer en association ou des choses comme ça, j'ai décidé de partir au bout du monde pour travailler en Afrique ou je ne sais où. Même si c'est très glorieux, hein, l'humanitaire, tout ça, mais j'ai décidé en fait de le faire en France parce que j'estimais que chez nous déjà, il y avait des besoins cruciaux. Ouais. Et j'ai rencontré en fait une famille qui avait un projet qui m'a plu. Le projet, c'était ils étaient à la campagne, ils avaient acheté une petite maison à retaper, et donc ils voulaient la retaper et l'agrandir. Ouais. Je suis arrivé un été, c'était en 2001, et je suis resté tout l'été, j'ai travaillé du matin au soir, en échange de couverts et de logis. Et voilà, logis et couverts, ouais. Voilà, pour les aider à retaper cette maison. Voilà, exactement. Vous les aviez rencontrés comment, cette famille ? Eh bien, au départ, c'était des amis à ma maman. Enfin, d'accord. Des amis. Des connaissances. Mon petit frère connaissait leur fils, qui avait d'accord. le même âge, il était dans la même classe. Donc, c'était une idée de ma maman qui me dit, bah tiens, peut-être que si t'allais voir ces gens, etc. Donc, les aider. Bah, j'y suis allé. D'accord. Voilà. Je me suis porté volontaire dans leur projet, donc ils m'ont accepté pour cet été-là. L'été s'est très bien passé. Moi, j'ai travaillé normal, et puis à la fin de l'été, ça s'était tellement bien passé que j'ai décidé de rester, et ils ont été d'accord avec ça. Jusque-là, tout allait bien. Je suis arrivé là-bas avec une copine qui, elle, était à l'époque à l'université, donc on se voyait de temps en temps. Mais elle faisait quand même le trajet pour venir me voir régulièrement. Puis moi, je faisais le trajet inverse pour la voir aussi quand je pouvais. Et il se trouve qu'au bout de quelques mois, en fait, l'homme de cette famille me l'a, entre guillemets, volé. En fait, il a décidé de coucher avec et il a réussi. J'avais prévenu ma copine que je trouvais ça un petit peu malsain à la base. Mais bon... que en même temps je pouvais pas empêcher les empêcher d'être libres en quelque sorte de faire ce qu'ils voulaient et donc c'est arrivé et ensuite je pouvais plus être vraiment amoureux d'elle donc j'ai décidé de rompre parce que après avoir essayé j'arrivais plus à la toucher quelque chose était brisé. Oui exactement donc voilà la rupture à l'époque avec cette personne c'est bien passé, je veux dire, quand je dis bien passé, je veux dire sans violence, voilà, tristement, bien sûr, mais bon, ça s'est quand même bien passé. Et donc, je me suis retrouvé, célibataire, voilà, du jour au lendemain. Et elle a arrêté cette liaison avec cet homme et a quitté la famille, enfin, elle n'était plus là ou... Elle faisait ses études, elle faisait ses études bien ailleurs. Et donc, elle a pu... elle est repartie dans sa région. Oui, voilà. D'accord. Elle est repartie. Et vous, quel est... Oui.
Pardon. L'homme, il l'a pas quitté, elle, quoi. Enfin, il a essayé de rester avec. Il a essayé beaucoup de choses, quoi. Il s'est déplacé en voiture. Il l'a cherché au bout du monde parce qu'il voulait. Je vais être très clair. Il voulait vraiment juste coucher avec. Et bon, elle était jeune pour lui, donc apparemment, c'était quelque chose de voilà. Il avait 20 ans plus que nous. Bon, voilà, mais. Entre eux, je ne sais pas trop ce qui s'est passé ensuite, mais je sais qu'elle a réussi à s'en débarrasser en quelque sorte. Mais moi, de mon côté, j'ai continué à travailler pour ces gens parce que mon projet était au-dessus de beaucoup de choses. C'était quoi d'ailleurs le projet de rester après l'été ? Parce qu'une fois que vous aviez donc aidé à grandir cette maison, l'été 2001, vous dites « j'ai décidé de rester » pour quoi ? Les aider à continuer dans ce projet-là ou dans un autre projet ? Exactement le même projet, parce que en fait c'était pas du tout fini. C'est-à-dire D'accord. qu'en un été on a eu le temps de faire une chape en fait, vous voyez, juste le D'accord. sol, et il fallait faire deux étages. Donc en plus c'est des gens qui n'avaient pas trop de moyens, donc les travaux avançaient doucement. Et bien moi j'étais proche de la nature, ça me convenait. C'est ce que je sortais de la ville, donc je voulais me rapprocher de la nature. C'était bon, il y avait du travail, donc ça allait. Enfin tout convenait oui, à, moi, ça vous à mon convenait. Sens, quoi. Oui, ça avait du sens, voilà. Oui, ça convenait à mon voilà, sens. Voilà, ça avait du ça sens, avait du exactement. Sens. Ouais. Même si, bon, toutes ces choses au niveau du cœur, c'était difficile, mais justement, le travail, il était là aussi. J'essayais de, comment dirais-je, de, bah, malheureusement, peut-être maintenant, je me le dis, mais de mettre mes désirs, mes plaisirs, toutes sortes de choses de côté pour quelque chose que j'estimais plus fort, parce que à l'époque j'estimais qu'il y avait besoin vraiment de changement dans ce pays et que il fallait rester fort. Oui, et c'était votre contribution d'aider une famille dans son projet de vie, quelque chose de très proche de vous en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Et bien je suis resté à l'arrivée à peu près 5 ans et demi en tout là-bas. Ouais. Ouais. Tous les jours, à travailler du matin au soir. À vivre avec eux. Alors, je vivais, j'avais, comment dirais-je, je vivais pas dans la maison avec eux, parce que le soir, je dormais quand même, soit j'ai eu une caravane au début sur leur terrain, après j'ai eu une petite maison avec une propriétaire gentille qui me faisait un loyer très abordable. Donc, j'avais un petit... Et que vous arriviez à payer comment, puisque vous ne gagniez pas votre vie? Eh bien, c'est que j'avais une propriétaire très sympathique et, comment dirais-je, le loyer était vraiment minime. Donc, grâce aux aides sociales, j'avais une petite... Pas les aides sociales, pardon, comment on appelle ça, les APL. Les APL. Il y avait l'aide au logement. D'accord. Voilà, il y avait plus grand-chose, en fait, à rajouter. Donc, je pouvais toujours me débrouiller pour payer cette dame, en fait. J'avais pas d'électricité, donc ça, je payais pas. J'avais pas de télé, je payais pas. Il y a toutes sortes de choses que j'avais pas, donc j'avais pas besoin de payer. J'avais D'accord. juste à payer ce petit loyer. Et, comment dirais-je voilà, donc je me suis retrouvé célibataire ensuite. Et leur petite fille est tombée amoureuse de moi. Elle me l'a fait savoir. Ça m'a touché. Ouais. Et j'ai décidé de l'attendre en fait, parce que elle avait à l'époque elle avait 10 ans et moi j'avais 20 ans, donc j'étais bien sûr trop vieux et était trop jeune, donc ben il fallait que j'attende au moins ses 18 ans. Donc j'ai décidé de l'attendre. Mais vous lui avez dit ou vous l'avez gardé Absolument. Secret? Ah, vous lui avez dit non. Que vous alliez oui. l'attendre? Oui. Ouais. Donc je lui ai dit, je l'ai attendu, et donc je l'ai attendu. Plus ou moins dans cette famille, puisque toute la journée, voilà, comme je vous ai dit, je travaillais, et puis bon, le soir, je dormais chez moi, mais voilà, j'étais tout le temps en contact. Leurs parents, par contre, n'étaient pas d'accord, enfin, ses parents, pardon, n'étaient pas d'accord, donc ce monsieur et puis sa maman n'étaient pas d'accord, évidemment, mais même pas que c'est pas uniquement que je l'approche ou quoi, c'était vraiment, ils voulaient pas vraiment de moi, en fait. Ce que je comprends un peu maintenant, parce qu'à l'époque, je voyais pas vraiment toutes ces choses. Je continuais de travailler. Mais ils ne voulaient pas de ce projet, mais ils vous laissaient chez eux. Ils ont été au courant comment elle en a parlé? Vous en avez parlé? Oui. D'accord. Vous leur avez dit, voilà. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'au départ, pour l'âge, ce qui était bon jusque-là. Normal, mais ensuite je sais pas pourquoi il y a eu on dirait
de grandes barrières en fait tout autour, comme si du jour au lendemain en fait je pouvais plus l'approcher, plus lui parler, plus la regarder. C'est normal, plus, elle avait 9 ans, vous aviez 20 ans, les parents, imaginez les parents. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Et un garçon de 20 ans qui dit mais je vais attendre votre fille pendant 10 ans parce que je suis amoureux d'elle et elle est amoureuse de moi. Vous voyez, ça, un peu à distance, ça paraît quand même un peu particulier comme histoire. Mais ils vous ont quand même gardé chez vous pour travailler. Absolument. Ils vous ont pas mis dehors, du coup. Non. Ouais, ils étaient aussi bien contents de profiter de votre travail non rémunéré, de votre aide. Apparemment. Ouais. Donc ça, ça a duré 5 ans et demi. Voilà. Mais est-ce que vous aviez conscience à l'époque, juste un petit arrêt sur l'image, Alexis, que là, 5 ans et demi, donc vous avez déjà 25 ans, hein, près de 25 ans, et que vous n'avez rien fait pour vous. Pour vous, dans le sens construction de votre autonomie, votre vie, avoir un métier, pouvoir travailler. Mais c'est que je... En parallèle, moi, la nuit, je travaille la musique, en fait. Je suis musicien. Musicien-chanteur, et donc je travaillais beaucoup autre chose pour moi la nuit. Dans des temps libres, en fait, je faisais énormément d'autres choses. J'écrivais, je lisais beaucoup, j'étudiais la politique, j'étudiais des vieilles philosophies, j'étudiais toutes sortes de choses qui me passionnent, même encore maintenant d'ailleurs, j'arrête pas du tout en fait, parce que ça me représente. D'accord, donc vous êtes cultivé pendant ce temps-là, d'accord. Oui, absolument. Oui. J'en étais où ? Eh ben, vous en étiez donc au bout de 5 ans et demi. Ah oui, voilà. Et avant, voilà, parce que le au bout de un petit peu avant, ce couple-là, c'est séparé. Il a explosé en fait, on va dire ça comme ça. Ouais. Le pas le mari parce qu'il n'était pas marié, mais en tout cas le. Le papa de cette famille, il a décidé de tout quitter, plus ou moins sur un coup de tête à l'époque. C'était assez violent, c'était assez difficile, quoi. Il s'est passé des choses un peu dures. Et il a décidé de partir et je me suis retrouvé seul avec cette maman. Et ils avaient 3 enfants à l'époque et dans un coin très isolé. Et donc ça commençait à être très dur pour la maman. Ouais. C'est-à-dire que vu que le papa est parti, elle s'est retrouvée avec une maison pas finie, les enfants avec elle, et puis moi en fait j'étais dans mon projet et du coup j'étais encore là, et le papa en partant il m'a fait promettre de rester pour l'aider, et j'ai promis, comme je vous le dis là vraiment mot à mot, j'ai promis, et du coup je suis quelqu'un d'assez, je tiens parole quoi, quand je le dis je suis en sorte de tenir parole, et donc je suis resté. Et donc, j'ai vécu la détresse de cette maman. Et il y avait beaucoup d'alcool à l'époque. J'étais tombé, mais pas que. Enfin, j'étais tombé alcoolique, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'alcool autour de moi. Il buvait beaucoup. Il y avait aussi une ambiance un petit peu de chantier. Donc, il y avait beaucoup d'alcool tous les soirs. Et moi, je suis un peu tombé dedans parce que dans ma tête, de mon cœur, j'arrivais pas bien à gérer l'attente. C'est difficile de... Oui, bien sûr. Il y a de quoi, Alexis, parce que là, votre histoire, tomber amoureux d'une petite fille de 9 ans qui vous dit qu'elle vous aime et vous lui dites, il n'y a pas de problème, je vais t'attendre pendant 10 ans. Vous enfermez, vous, à un jeune garçon de 20 ans, un jeune homme de 20 ans, dans quelque chose d'impossible à tenir, si vous l'avez tenu. Mais ça dit beaucoup de votre histoire d'enfance, c'est tout un sujet, hein, on pourrait y passer longtemps, mais sans doute vous ne réalisiez pas comme si vous vouliez offrir à cette petite fille quelque chose de beau. Il y a un côté un peu asexué dans votre histoire d'imaginaire, et on dirait presque que ça va avec le projet de maison. Construire un avenir pour cette petite fille, construire cette maison, et vous n'êtes pas là-dedans. Enfin, voyez, vous, en tant que personne, oui, c'est un projet tout pour l'autre. Mais pendant ce temps-là, et vous, de quoi vous vous nourrissez, un jeune homme de 20 ans ? C'est ça. Alors, donc... Je ne savais pas que ce serait si dur à l'époque. Hein. Moi, quand je... Oui. Quand je... Mais je pense qu'il y avait un côté d'idéal d'enfant. Il y avait un idéal d'enfant chez vous. Vous étiez dans une idéalisation très... d'enfant.
aider une famille, ouais. puis attendre cette petite fille. Enfin, tout ça me paraît complètement comme si vous vous étiez raconté une histoire. Mais une histoire qui ne collait pas avec un jeune homme de 20 ans. Donc à vivre, ça devait être effectivement assez difficile. Hein. D'accord. Alors, du coup, donc vous sombrez dans l'alcool avec la maman aussi, c'est ça ? Elle aussi, oui, parce que la séparation lui a fait beaucoup de mal, enfin pour le souvenir que j'en ai, en tout cas, c'était très dur pour elle. Et elle a commencé à se reprocher de moi, en fait. Ouais, oui. Mais de manière très sérieuse. Ouais. Et pendant à peu près 6 mois, j'ai rejeté ses avances, tant bien que mal. Et j'ai appelé le papa pour lui dire que ça allait pas, qu'il fallait qu'il vienne nous aider, qu'il se passait des choses qui sinon ça allait pas aller, quoi. J'essaie de prévenir. Enfin, j'ai prévenu, en fait, j'ai même pas essayé, je l'ai fait. Et en échange, il m'a juste insulté et menacé, et ça m'a mis un coup de poignard dans le cœur, et d'un coup je me suis senti mais très très seul sur terre, à plus savoir quoi faire, à plus avoir la force même de. Vous aviez 26 ans là, à l'époque, ouais. Ouais, même un petit peu moins, parce que je suis arrivé à 19 ans. Oui, c'est ça, vous avez 25 ans. Vous en avez parlé à qui à l'époque ? À l'époque, justement, c'est là où j'en ai parlé à personne. Eh oui. Je disais tout à ma maman avant, et en fait, cette histoire-là, j'ai pas réussi à lui en parler à l'époque. Bah, on comprend. Et donc, oui. Je me suis retrouvé avec tout ça dans. C'est aussi pour ça que j'écrivais, parce que j'avais besoin, du coup, d'extérioriser d'une certaine manière. Essayer de voir plus clair. Ouais. Voilà, ça m'a permis d'écrire un peu des chansons, ça m'a permis même de faire de la scène plus tard, quoi. Grâce à ça, quand même, j'ai développé quelque chose que je connaissais pas en moi, quand même, quoi. C'est un peu extraordinaire. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Ouais. Sauf que, ça a fini par craquer avec la maman. Et donc, on a couché ensemble, en fait. Et évidemment, pas évidemment, parce que ça, je l'ai appris ensuite après, mais la maman, elle lui a annoncé à sa fille. Quelques mois plus tard, mais sans que je sache qu'elle lui avait dit. Et la fille était adolescente, elle avait 15 ans. Elle avait à peu près 14 ans. 14 ans, 14 ans. À peu près. Oui, absolument. Donc, j'ai compris plus tard qu'elle avait été bien amochée à ce moment-là, mais bien plus tard, parce que moi, j'ai pas su à l'époque que sa maman lui en parlait. Et moi, je l'ai attendu après, une fois que c'était arrivé avec sa maman. J'ai décidé de l'attendre quand même, mais sous une autre forme, du coup, c'est-à-dire l'attendre et puis lui dire la vérité, et puis ensuite, on aurait vu, mais en fait, la vérité, elle la savait déjà. Ça a duré combien de temps, la relation avec la maman ? Je sais pas, même pas. J'arrive même pas à me dire qu'il y a eu un truc, quoi. C'est même pas 6 mois, quoi. Ça a été un ou deux rapprochements, quoi. D'accord. Voilà. Et le problème énorme, en fait, c'est que, mais vraiment très très énorme, c'est que la maman est tombée enceinte. De vous ? Oui. Ouais. Et évidemment, ça aussi, elle l'a dit, quoi. Ce que je n'aurais pas caché non plus, mais moi, je l'aurais dit plus tard, quoi, quand on se serait retrouvés. Parce que je suis pas du genre à cacher les choses et je peux pas les tenir de toute façon dans le cœur. Sinon, c'est un peu pour ça que je vous appelle aussi. C'est parce qu'au bout d'un moment, j'ai besoin de dire ce qui m'arrive, quoi. Sinon, je ferai pas, quoi. Vous avez jamais consulté quelqu'un, Alexis, avec toute cette histoire depuis tout ce temps ? Depuis 3-4 semaines, on va dire. Ouais, c'est important. J'ai fait la démarche. J'ai fait la démarche il y a 6 mois et j'ai été en attente de rendez-vous pendant longtemps, donc j'ai attendu et là c'est entre guillemets à mon tour. Donc parce que c'est un CMP à peu près, vous êtes en CMP non. C'est un CNPT, je crois. Oui, d'accord. Vous voyez, juste comme ça. Ouais. Parce que du coup, moi j'ai pas trop de moyens, parce que les choix que j'ai fait à l'époque, il se trouve que maintenant vous avez pas gagné votre vie là, puis pendant toutes ces années vous avez rien gagné, on peut pas dire. Non, et donc je suis passé par des associations, j'en ai parlé un peu, qui m'ont orienté vers ce CNPT, et donc depuis quelque temps je démarre une psychanalyse. C'est important. Voilà, c'est pour commencer déjà, c'est je me dis que c'est pas mal. Parce que j'ai mis du temps, je savais même pas, quoi, que ça pourrait m'aider, parce qu'avant j'avais des amis qui connaissaient l'histoire et j'étais très très proche de la famille, et même dans la famille j'avais des amis, et ma meilleure amie est partie il y a 3 mois là, et j'en suis effondré, en fait, et c'est très dur, parce que cette amie, je lui parlais beaucoup, elle avait beaucoup de retours, etc.
Et consciemment, elle le savait, que c'était, elle faisait un peu office de psy, quoi, et je vivais, on va dire, plutôt bien le truc ça, en discutant avec elle. Avec elle. Et vous, elle vous disait quoi, elle? Elle vous en, elle en pensait quoi de toute cette histoire? C'est, alors cette personne, c'est la sœur de la maman en plus, donc c'est quelqu'un vraiment très très proche. Oui. Ouais. Et elle, elle en pensait que déjà elle a été surprise d'apprendre ces choses, parce que la maman l'avait dit que à sa fille, mais à personne d'autre. Et donc c'est moi en fait qui l'ai appris à la famille, complètement, je ne savais même pas que je leur apprenais, mais bon du coup je leur ai dit, ça fait bizarre, mais... Elle m'a dit, ce qu'elle en pensait, c'est que évidemment ça allait être très dur, voire impossible, quoi. En tout cas, elle était par contre de nous voir, nous rapprocher, et puis si ça va bien, tant mieux. Mais, vous et la jeune elle, fille, en tout cas, donc. Voilà. Ouais. Et donc aujourd'hui, en fait, donc juste parce que je vois l'heure tourner, hein, Alexis, qui nous reste peu de temps d'émission. Oui, oui. donc en fait, vous après cette histoire avec la mère, vous avez donc attendu cette jeune fille avec laquelle vous, donc on comprend que vous venez de vous séparer. Vous avez eu donc une histoire avec elle. Voilà. Qui a duré quoi, 8 ans, 7 ans? Non. Mais là, non, elle a duré 3 ans là. Trois ans. Voilà. 3 ans. Parce que, oui, parce qu'elle a 22 ans, c'est ça, quand elle avait 19 voilà. ans. Voilà. Donc, on s'est rapprochés à partir de ses 18 ans. Alors, 19 ans exactement, je ne sais plus, mais par là, en tout cas, on s'est mis ensemble. Et bien qu'elle sachait tout, elle savait tout ça, très très clair. Oui, mais alors tout ça est complètement incestueux, Alexis. Ça part dans tous les sens. Enfin là, on a un cas d'école, mais bon, vous allez travailler en psy avec toute votre histoire. Ce que je voudrais juste savoir et pour les auditeurs, c'est qu'en fait, pourquoi ça s'est arrêté là entre vous? Donc vous venez de vous séparer, vous dites. C'est quoi Zienne, la fin de l'histoire? Eh bien parce que en fait elle peut pas vivre le truc avec ça dans la tête tout le temps et dans le cœur, quoi. Ah oui. C'est vrai que c'est juste impossible en fait. Mais même, c'est impossible pour vous aussi. Non mais c'est impossible pour moi, vous c'est aussi. Difficile, c'est mais vrai. Oui, bien sûr, j'ai fait Alexis. Beaucoup de travail ces derniers mois où j'ai réussi à faire la part des choses pendant Alexis, longtemps. Alexis, ce qui est très difficile là, dans toute votre histoire, c'est qu'en fait, c'est comme si, depuis l'âge de 19 ans, vous avez été baladé dans des identités différentes, alors que vous étiez encore en construction, enfin en jeune homme, hein, on dit qu'on finit, arrive les abords de l'âge d'adulte vers 25-26 ans, même notre cerveau, hein, il se termine vers 25-26 ans. Vous aviez donc 19 ans, excessivement jeune, et vous avez été promené comme pris. Alors, j'ai pas envie de parler de, oui, une sorte de piège qui est pas conscient d'ailleurs, hein, dans cette famille-là, mais comme une espèce d'immense toile d'araignée de relations croisées. Où vous étiez comme ballotté, hein, ballotté par une petite fille, et vous avez tout pris au pied de la lettre, avec votre immense loyauté, votre envie de faire du bien, d'aider cette famille. À chaque fois, vous avez petit à petit pris des engagements qui vous ont de plus en plus enfermé. Comme si le piège avait fini par se refermer sur vous. D'ailleurs, comme dit Cathy, il y a de quoi écrire, en effet. Hein, elle est scandalienne, votre histoire. Et vous êtes un bourreau des cœurs, mais du vôtre en particulier. Et c'est votre cœur qui est tout à fait promené là, dans tous ces méandres. Oui, c'est ce que des proches commencent à me dire, en fait. Oui. Parce que c'est vrai que, comme vous avez précisé au début de la conversation... mon enfance a été entre guillemets chaotique, quoi. Je suis passé par les services sociaux, mes parents sont séparés depuis très longtemps. D'accord. Il y a pas mal de trucs, quoi. Ouais, donc ce qui explique en quelques mots, Alexis, que vous ayez eu ce désir très fort et ce besoin, plus qu'un désir, ce besoin d'être dans une famille et de faire partie d'une famille. Mais d'en faire partie dans toutes les dimensions, parce que vous êtes passé du grand frère, d'une sorte de grand frère à futur marié, futur amant. Il y a pas d'histoire d'âge, parce qu'on sent bien qu'il y a pas une histoire il y a une relation incestueuse, mais il y a pas d'inceste, relation dans l'imagerie incestueuse, hein, dans pas assez d'amour sans doute dans votre enfance, et de l'amour beaucoup trop dans tous les sens, n'importe comment, dans cette famille là
Ouais. Mais c'est pas votre famille, c'est celle que vous avez adopté une famille, c'est vous qui l'avez adoptée pour vous en faire adopter d'une certaine manière et un peu de toutes les façons et à la fois loyauté, on dirait une tragédie antique. Il y a de l'Œdipe dans votre histoire, hein, quand vous appelez le père qui vous a confié la famille à garder et qui vous insulte parce que vous dites « mais au secours, moi j'ai votre ex-femme qui est en train de me draguer et moi je ne sais plus comment faire », vous l'avez appelé au secours. Et lui, au lieu de vous écouter en tant qu'homme dans ce jeune homme qui appelle au secours, il vous a insulté, il a tout pris au premier degré, sans comprendre que vous étiez complètement enfermé dans quelque chose de très compliqué à gérer pour vous. Ah, complètement quasi impossible en fait à gérer parce que j'ai échoué donc il va vous falloir un petit peu de temps Alexis pour démêler les fils de quelque chose auquel vous avez eu on va dire très envie de croire et dont vous aviez excessivement besoin, donc vous êtes allé chercher de la réparation. Et quelquefois, il arrive, d'une certaine manière, vous en avez trouvé parce que vous avez trouvé de l'amour. Vous avez trouvé de l'amour quand même, c'est important, ce dont vous aviez terriblement besoin. Bon, pas tout à fait dans l'axe qui vous aurait fallu, parce que vous voyez comme tout ça psychologiquement est très très complexe et compliqué pour vous. Oui, c'est très dur, très très dur. Comment vous sentez là, en parlant et ce soir? Comment vous êtes avec toute cette histoire? Ouais. Je fais disons parler, puis... Pardon. Non, vous excusez pas. Vous êtes resté très enfermé, hein. Vous voyez, c'est une histoire excessivement névrotique. Et la famille était très névrotique, parce que la sœur de la maman ait été votre conseillère, voire ait joué les psys avec vous, vous voyez, c'est pas très sain. Quand on dit malsain... c'est pas moral, là c'est pas un jugement moral, malsain dans le sens c'est pas sain pour vous en termes de santé psychique et psychologique. Vous avez vécu chose Alexis qui n'était pas sain pour votre esprit et pour votre âme, mais en étant ce petit garçon qui a un besoin, envie de vivre de l'amour et qui croit dur comme fer que... ses promesses sont belles, qu'il va consoler cette femme éplorée que le mari a quittée. On voit bien comment vous racontez, vous essayez de colmater des voies d'eau partout d'un bateau qui coule. Voilà. Je vous remercie pour votre tolérance. Non, c'est pas... Enfin, vous voyez, c'est de la compréhension et de l'empathie. Parce que votre histoire, elle est émouvante, elle est touchante. C'est voilà, comme toutes les histoires, c'est aussi une belle histoire parce que c'est une histoire d'âme, d'humain qui cherche par tous les moyens une construction et à donner. Parce que votre projet au départ, c'était je vais faire le bien et puis je tombe dans un truc que j'arrive plus à gérer, je comprends plus rien quoi. J'arrive avec les mains pleines. Je ne savais même pas qu'un truc comme ça pouvait être. Ça pouvait exister un truc pareil, quoi. Oui. J'étais très, très loin, vraiment. Qu'est-ce que vous dites avec le recul sur cette histoire? Qu'est-ce que vous en avez compris de ce qui s'est passé pour vous? Que je ne me suis pas assez occupé de moi. Mais de moi, dans le sens... Vous voyez ce que je veux dire? Votre équilibre, vous construire. Moi, en fait. Oui, vous avez construit leur maison, mais vous n'êtes pas construit pendant ce temps-là, bien sûr. Ouais. Oui, c'est un peu ça. C'est un petit peu, comment dirais-je, j'arrêtais bien ordonné, commence par soi-même. Oui. Et je me suis complètement effacé, en fait. Oui. Mais complètement, perdu. Mais complètement perdu, totalement. En fait. Et depuis, ça fait quelques mois, j'apprends à prendre soin de moi, j'apprends à m'occuper de moi. Et c'est très nouveau. C'est pas facile. Qu'est-ce que c'est le soin de vous pour vous? À quoi ça correspond aujourd'hui, hein, dans votre histoire? Qu'est-ce qui fait sens? Prendre soin de moi, ça va être de manger correctement, de me faire à manger, de savoir m'asseoir et manger, voilà, tranquillement. Avec, je dis bien que c'est pas toujours facile. Hein, je dis pas que j'arrive toujours, mais en tout cas, j'apprends ces choses-là. Je vais gagner de l'argent. Oui. Je vais gagner mon argent. Mmh. Je vais avoir mon compte. Je vais chercher mon intérêt. Vous créez votre autonomie, c'est ça que vous êtes en train de dire, Alexis. Vous allez grandir, vous allez vous créer votre autonomie. Vous allez grandir.
En fait, c'est comme si vous aviez refait une drôle de spirale d'enfant, d'enfant trop grand pour vous. Il y a du tout petit enfant dans votre histoire et puis du très jeune adulte un peu perdu. Là, vous allez reconstruire de l'autonomie. Merci à vous de votre confiance, Alexis, ce soir, pour nous avoir confié une histoire pas facile à raconter. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite vraiment de continuer votre chemin et de retravailler cette histoire dans tous ses recoins. Très bien, merci beaucoup. Bon courage à vous, Alexis. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Hélas, c'est la fin. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une très très belle et douce nuit. On se retrouve demain à 23h et je vous laisse en compagnie de Franck Ferrand.